Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être très particulière, je tiens à vous le préciser. Donc âme sensible, s'abstenir. Depuis le début de ma chaîne, vous m'avez souvent vu sérieux, mais là, je pense que je vais être le plus sérieux qui soit, puisque le sujet que l'on va traiter mérite d'être sérieux et surtout doit être pris au sérieux, car c'est une menace qui est bel et bien réelle, et telle une pandémie qui petit à petit commence à s'insinuer, à grignoter et à rentrer un peu partout dans les esprits, les cœurs, les familles, etc et qui malheureusement, celle-ci, ne fait pas le buzz, n'est pas médiatisée, et qui mériterait que l'on en parle, eh bien c'est moi qui, comme d'habitude, vais enfiler le costume du vilain petit canard. Je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo que nous allions parler de tout ce qui était en rapport avec la possession, les forces du mal, le mal au sens, euh, j'ai envie de dire, général et large du terme qui est en train de se répandre depuis déjà quelques années et qui est en train de prendre, comment on pourrait dire, qui est en train de prendre ses aises. Mais le problème c'est que c'est un mal qui est un petit peu particulier puisque celui-ci n'est pas forcément rattaché au démon. Pas de panique, avant de me mettre des commentaires, je vais vous expliquer tout en détail dans cette vidéo. Je vais en tout cas tâcher et essayer de vous expliquer au mieux ma vision qui, comme d'habitude, n'est pas l'ultime vérité. C'est ma vérité, qu'on soit bien d'accord par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que j'ai pu vivre, à euh, mes conclusions personnelles et tout ce que je peux regarder de mon œil omniscient dans le noir avant de commencer cette vidéo je voudrais vous témoigner un message d'avertissement et qui je trouve s'inclut parfaitement dans la thématique de cette vidéo puisque on parle justement du mal de la possession et de la propension à ce mal de, à se répandre Effectivement, comme vous le savez, ou si vous n'êtes pas au courant, je vais vous l'apprendre. Depuis maintenant quelques jours, sur la plateforme Netflix, il y a une série qui est sortie qui s'intitule Dameur, l'histoire du monstre, l'origine du monstre, quelque chose comme ça. C'est une série qui fait énormément parler d'elle en ce moment, qui connaît un certain succès. Alors j'ai envie de dire à juste titre, d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire que la série est propre, est bien réalisée, il y a un beau travail de montage, de photographie, de jeu d'acteurs, de lumière, c'est très immersif, c'est extrêmement déroutant aussi et débilitant, puisque sur le coup, on se laisse prendre à l'histoire et on a l'impression de voir une série macabre, hein, comme il peut y en avoir tant. Mais rapidement, en fait, on se euh, souvient, la série nous rappelle à l'ordre que nous ne regardons pas juste une série qui sort d'un esprit farfelu de producteur. Non, il s'agit de faits réels et que derrière ce tueur, ce monstre, se cachent des faits qui sont bel et bien réels. Qui est Jeffrey Dahmer Alors, cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous expliquer qui est Jeffrey Dahmer. On ne va pas faire une rétrospective sur son enfant, sur sa vie, sur ses meurtres, etc. Je pense qu'il existe une multitude de documentaires, de séries, de films, etc. que vous pourrez trouver à la fois sur YouTube, sur Google euh, et sur Netflix. Maintenant, il vous suffit de taper Jeffrey Dahmer, qu'on euh, baptisait le cannibale de Milwaukee. Je pense que rien que dans le pseudo, dans ce surnom, ça résume énormément de choses, puisque ce charmant monsieur ne se contentait pas de juste tuer des jeunes hommes. Non, vous l'aurez compris avec son surnom, il faisait d'autres choses aussi avec les corps. Donc je préfère vous avertir que si vous êtes amené à regarder cette série... Je vous conseille quand même d'avoir le cœur bien accroché ou alors je sais pas de dissocier euh, votre façon de regarder en vous disant que c'est simplement une série et euh, d'essayer, je dis bien d'essayer parce que c'est extrêmement perturbant de le faire. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de dissocier mon esprit en me disant OK, euh, on va dire que c'est pas réel, tu vas juste suivre la série et une pour pouvoir la terminer et c'est une fois que je l'avais terminée que j'étais complètement atterré à tel point que j'ai même fait un Rituel derrière la série. J'ai allumé une bougie, j'ai fait une prière à toutes les victimes parce que ça m'a profondément choqué et perturbé de, de, de me dire que toutes ces choses avaient été réelles. Ce qui m'inquiète le plus, c'est toutes les dérives qui sont en train de s'amorcer autour de Jeffrey Dahmer que certains considèrent et voient. Je ne sais pas euh, comme une idole, comme un héros, euh, je ne sais pas les, les qualificatifs que je pourrais employer. Simplement, je vais vous euh, raconter un petit peu de ce quoi j'ai été témoin et peut-être que vous aussi vous avez vu passer ce genre de choses. Mais euh, j'ai vu des vidéos euh, de jeunes hommes. Qui se déguisait littéralement en Jeffrey Damer et qui euh, errait, zonait dans les boîtes de nuit, un verre à la main, arborant un sourire sadique et mondieusement creepy à souhait, qui euh, en disait assez long sur leurs intentions. Alors attention, je ne suis pas en train de les accuser qu'ils vont euh, commettre des meurtres, mais... Euh... <laughs> Comment dirais-je, d'un point de vue psychologique, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre, mais euh, je pense connaître suffisamment la nature humaine pour me faire dire que quand quelqu'un se déguise en tueur en série euh, et qui euh, adopte les mêmes euh, mimiques, les mêmes façons de se tenir, de réagir, etc. Il y a quand même qu'un pas vers la suite, et c'est justement là où mon raisonnement veut vous amener, c'est-à-dire que je crains énormément que dans les... Jour, semaine ou mois à venir, nous soyons témoins de faits divers qui vont et eh bien perpétrer le mode opératoire de Jeffrey Dahmer. Parce que comme je l'ai dit, quand on commence à idolâtrer une personne, il n'y a qu'un pas avant de commettre les actions qu'il a commises. Hein. Alors ça peut être assez innocent de se déguiser en un tueur, même si pour moi c'est franchement pas innocent. Hein. Là, on ne parle pas de se cosplayer en Annabelle, Valak, euh, Freddy Krueger. Pennywise ou ce que vous voulez. Non, ce sont des personnages de fiction même si il y aurait effectivement quelque chose à dire sur le fait de se cosplayer en des démons ou des choses comme ça. Voilà, merci, tu pas obligé de le rappeler. <laughs> non, plus sérieusement, euh, entre un personnage de fiction et euh, un personnage qui est bel et bien réel et qui a commis des actes qui sont horribles. Quand même, pour rappel, Jeffrey Dahmer a tué 17 jeunes hommes et il a brisé des centaines de vies. Hein. Toutes les vies des familles, les amis des victimes, etc. C'est pas que les meurtres qu'il faut regarder, c'est tous les dommages collatéraux qu'il a causés. Et si on devait résumer ça par des crimes et eh bien par conséquent ce n'est pas 17 crimes qu'il aurait fait mais des centaines donc pour moi incarner déguiser imiter copier un tel personnage non, non, pour moi c'est extrêmement malsain. Hein, et, et, et ce, que, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est Jeffrey Dahmer, mais demain ça sera qui Ça sera John Wayne Gacy, Ted Bundy, Berkowitz. Hein, euh, euh, voilà. Moi j'ai énormément peur qu'il y ait une vague comme ça d'idolâtrie, surtout que j'ai vu passer pas mal de parodies, c'est-à-dire que je suis là, de, de mon petit siège, euh, complètement atterré en voyant des commentaires de personnes qui prennent visiblement cette série à la légère qui euh, souffrent d'une véritable dissociation c'est-à-dire que je pense qu'ils ne réalisent pas que derrière cette série il y a des faits réels et qu'il y a euh, 30 ans en arrière, hein, il n'y a pas très longtemps hein, euh, Jeffrey Dahmer c'était en 1992 hein, donc euh, 1992, je suis né en 87, hein, donc Jeffrey Dahmer c'est entre guillemets ma génération vous voyez, donc ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. on ne parle pas ici de crimes de guerre, de la première guerre, etc. Non, non, on parle de quelque chose quand même qui est assez récent. Et ça m'inquiète énormément de voir toute cette euphorie, j'ai envie de dire, autour de ce personnage qui n'a rien de vertueux, qui n'est pas un exemple à suivre. Euh, même si j'avoue que d'un point de vue purement psychologique, Jeffrey Dahmer est un personnage qui est, euh, alors. Je vais employer le terme intéressant, mais c'est je pense que vous comprendrez ce que je veux dire derrière ce terme. C'est-à-dire que quand on connaît la vie, l'enfance de Jeffrey Dahmer, il y, a, il y a une certaine psychologie, il y a une certaine complexité dans son personnage, dans ses émotions. Il y a beaucoup de choses qui le torturaient. Il était lui-même torturé par des démons personnels et peut-être des démons physiques aussi, on ne sait pas. Euh, donc, d'un point de vue purement psychologique, scientifique, son cas, effectivement, est un cas clinique qui est intéressant à étudier. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de culte à lui vouer et encore moins ce que je vois à l'heure actuelle qui, je préfère euh, être honnête, me fait extrêmement peur parce que comme je l'ai dit, il n'y a qu'un pas entre copier ses manières et copier ses crimes. Et euh, ce que je ne voudrais pas à travers cette série qui à la base devait être un hommage aux victimes soit en fait un mode d'emploi pour les futurs syndicats de demain car pour rappel vos amis vos enfants vos cousins vos frères vos collègues vos voisins sont tous des potentielles victimes de futurs copycats qui voudront prendre exemple sur Jeffrey Dahmer. Hein, je pourrais très bien en être la victime, puisque je rappelle que Jeffrey Dahmer avait euh, des tendances homosexuelles, qu'il était lui-même homosexuel, qu'il refoulait ça parce que ben, en 1970, c'était un climat très compliqué pour assumer son homosexualité et que c'est, j'ai envie de dire, un des facteurs qui l'a poussé à commettre ses euh, crimes également. Donc potentiellement, je pourrais me dire que je pourrais être aussi une de ces victimes d'un potentiel cinglé voyez donc, j'aimerais appeler à la vigilance, mais plus qu'à la vigilance, à la responsabilité civile de chacun. c'est-à-dire que si vous voyez des choses passer sur cette thématique là, si vous voyez des commentaires, eh bien, faites appel à votre bon sens, à votre logique et à votre responsabilité civile. car ce qui fait rire sur les réseaux sociaux aujourd'hui fera pleurer demain sur ces mêmes réseaux sociaux. d'accord? Il, il ne faut pas prendre à la légère des certaines choses et on ne doit surtout surtout pas cautionner des attitudes particulièrement déviantes qui vont potentiellement s'avérer être dangereuses pour la suite. Donc voilà, c'était un une petit aparté mais qui me tenait énormément à cœur parce que euh, le, le mal, et c'est le sujet même de la vidéo, le mal est en train de prendre de l'ampleur depuis déjà quelques années. Je pense que vous l'avez plus ou moins constaté toutes et tous. C'est-à-dire qu'il y a une recrudescence de prêtres exorcistes. Sur Internet, on voit pulluler chaque jour des centaines, voire des milliers, voire des millions de vidéos grâce à la technologie. Aujourd'hui, on a tous un smartphone. Donc, on sort le smartphone, on se met à filmer et hop, on envoie sur Internet. Ça fait le buzz, ça fait pas le buzz, on s'en fout, mais c'est histoire de partager. Et on voit comme ça des milliers de contenus paranormaux, de manifestations paranormales, de maisons hantées, d'apparitions, de, 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 de plein de choses. Et euh, pour moi, en tant que spécialiste... Avec des grosses guillemets, qu'on soit d'accord. Mais en tant que spécialiste du paranormal, c'est quelque chose qui m'effraie et qui m'inquiète parce que je suis en train de pleinement réaliser et de prendre conscience qu'il y a une vraie recrudescence du mal qui est en train de se répandre dans ce monde. Mais en qualité de ce que je suis, euh... alors je ne vais pas employer le terme sataniste parce que sinon je vais faire fuir tous mes abonnés de la chaîne. Non Vous savez que je ne suis pas sataniste, mais que j'ai certaines convictions, que j'ai une certaine Connexion aussi avec les deux mondes, autant l'obscur que lumineux, et que voilà, vous savez que je traficote avec les deux. Et ce qui m'inquiète, c'est que ni l'un ni l'autre n'est responsable de ce qui est en train de se produire en ce moment dans ce monde. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la possession qu'est-ce que c'est Par quel type d'entité on peut être possédé Est-ce que la possession est réelle ou est-ce que c'est un mythe Est-ce que les démons sont responsables de possession, etc. Où est la vérité du mensonge. Alors attention, encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas l'ultime vérité. C'est ma vérité qui est issue de mes propres conclusions, de mon expérience personnelle. Donc, en aucun cas, euh, ce que je, veux, ce que je m'apprête à vous dire, c'est la vérité absolue. Pas du tout. Hein. Je peux parfaitement me tromper, mais en tout cas, ce que moi je vais vous partager c'est quelque chose que j'ai pu vérifier de mon côté et euh, mais voilà il peut y avoir des exceptions il peut y avoir certaines choses hein. je, je ne connais pas tout ce qu'il y a derrière malheureusement <laughs> ça viendra un jour mais, mais pas tout de suite <laughs> ou pas je ne sais pas alors tout d'abord possession mythe ou réalité eh bien pour moi, sans aucun doute, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît, euh, la médecine a, a beaucoup progressé, a beaucoup évolué, et aujourd'hui, on connaît beaucoup de maladies mentales, de pathologies psychiatriques et psychiques. On sait expliquer certaines dérives, même si encore aujourd'hui, on n'arrive pas tout à expliquer. Alors, est-ce que les pathologies mentales pourraient être une façon déguisée pour le mal de faire paraître quelque chose qui peut s'expliquer scientifiquement pour mieux s'insinuer dans le monde réel c'est pas impossible, puisque le mal sait être particulièrement rusé et vicieux. Lui, son objectif, c'est de trouver des vaisseaux dans lesquels il va pouvoir voyager. Et son but, c'est pas de rendre des choses extraordinaires qui vont vous faire peur et qui vont tout de suite déclencher vos alarmes. Pas du tout. Non, au contraire, il faut que ce soit plus... Plus rond, plus plus dans la sournoiserie, dans l'insidieux, quelque chose qui est caché. Donc effectivement, on pourrait, pourquoi pas, se poser la question de se dire, est-ce que derrière les pathologies psychiques, les pathologies mentales, hein, les, les, ce que la science explique, et ce que la médecine explique, est-ce qu'il ne se cacherait pas quelque part un autre type de mal qui Prendrait l'apparence de quelque chose qui peut s'expliquer alors qu'en fin de compte c'est peut-être autre chose Peut-être, peut-être, hein je ne suis pas là pour lancer des débats, qu'on soit bien d'accord. Hein, donc, n'écrivez euh, pas des commentaires en disant non, mais la médecine explique. Oui, je sais très bien que la médecine explique. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les pathologies mentales n'existent pas. Non, au contraire. <laughs> mais je pense qu'il faut simplement faire la part des choses entre ce que la médecine et la science peut expliquer et potentiellement ce qui peut être réel. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que la Terre était plate. Aujourd'hui, on sait que la Terre est ronde. Oui, alors je suis désolé pour tous ceux qui croient à la théorie des de, 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 hein, platistes, mais la Terre est ronde. Voilà. On pensait aussi que les autres planètes tournaient autour de la Terre, hein, puis on sait aujourd'hui que <laughs> c'est pas le cas. Bon. Donc pour vous dire que euh, l'homme évolue sans cesse, qu'il apprend sans cesse, donc ce que l'on croit acquis aujourd'hui, eh bien peut-être que demain nous aurons une nouvelle théorie où nous découvrirons quelque chose de nouveau qui viendra Mettre en cause ce que l'on pensait être acquis. Hein? C'est le principe même de l'évolution, justement. Donc, possession, mythe ou réalité, pour moi, c'est une réalité, très clairement. Où se situe exactement à quel moment on peut dire qu'une personne est possédée Alors là j'ai envie de vous dire que je ne suis pas non plus un spécialiste, je ne suis pas un prêtre exorciste, je ne suis pas un spécialiste des exorcismes, mais je pense qu'il peut être assez aisé de reconnaître quelque chose qui peut s'expliquer d'un point de vue neurologique et quelque chose qui ne s'explique pas du tout, dans aucune façon. Pour avoir vécu des expériences Paranormal, vous le savez, je vous les ai expliqués. Vous pourrez d'ailleurs les trouver dans la playlist euh, paranormal, mes histoires de fantômes. Il y a des choses que j'ai vécues avec des témoins en plus, parce que tous les faits que nous avons vécus avec ma maman, nous étions rarement seuls, mais au contraire entourés de personnes qui ont pu témoigner. Et d'ailleurs, je remercie le ciel, l'enfer, je ne sais qui, je ne sais quoi euh, pour ça, parce que croyez-moi que quand vous vivez des choses un peu extraordinaires et quand quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Quand vous vivez des choses extraordinaires, euh, si vous êtes seul à le vivre, croyez-moi qu'au bout de quelques temps, vous allez vous dire, non mais je, je suis en train de perdre les pédales. Mais quand vous avez des personnes qui vous ramènent à ces souvenirs en vous disant, tu te rappelles de ça Toi aussi, tu t'en souviens Oui, je m'en souviens de la même façon. Hein, et que on a éliminé toutes les hypothèses scientifiques et rationnelles, et qu'on en vient à la conclusion que euh, ce que l'on a vécu ne s'explique pas, parce que c'est comme ça, ça ne ne peut pas s'expliquer. Eh bien, là, oui. Euh, pour la possession, c'est le même principe. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui commence à agir et à réagir d'une façon assez étrange, on est en droit déjà de se poser la question de savoir si la personne ne souffre pas d'un mal quelconque. D'un point de vue mental, est-ce que la personne n'a pas subi un choc Est-ce qu'elle n'est pas en dépression Est-ce qu'elle n'est pas en train de développer une forme de maladie, une forme de pathologie, quelque chose qui pourrait peut-être s'expliquer hein euh, Je vous ramène au film de l'exorciste de 1973 hein, où la mère de Regan fait passer tous les examens médicaux possibles à sa fille afin de déceler euh, de quoi elle pourrait souffrir et qu'en fin de compte, la médecine euh, finit eh bien par ne plus savoir quoi lui conseiller et l'oriente vers l'Église parce que d'un point de vue médical il n'y a plus aucune solution. Bon ça c'est en 1970. Aujourd'hui on est en 2022, la médecine a évolué, donc ce qu'on ne pouvait pas expliquer autrefois, on pourrait potentiellement l'expliquer aujourd'hui. Encore que, il reste quand même deux, trois cas cliniques qui n'arrivent pas à s'expliquer parce qu'ils ne suivent pas les schémas classiques. C'est-à-dire que vous avez des grands profilers, des grands psychiatres qui ont consacré leur vie à l'étude justement de tueurs en série, de pathologies diverses, etc., etc. Et vous avez des personnes qui malheureusement ne rentrent dans aucun de ces schémas mentaux et qui font que on n'arrive pas à déterminer de quoi ils souffrent. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une véritable possession de un simple choc émotionnel ou une maladie mentale. Bon. Euh, sans vouloir vous faire peur, je pense qu'à partir du moment où on commence à vivre des choses assez extraordinaires, c'est-à-dire que lorsque la personne change de façon radicale, hein, quand vous avez une pathologie, la pathologie, elle va mettre du temps pour se développer. Je prends par exemple Alzheimer. Quand Alzheimer s'installe, et pour ceux qui malheureusement ont connu des proches qui étaient atteints d'Alzheimer, excusez-moi, vous allez pouvoir confirmer ça, c'est-à-dire que euh, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Hein, votre maman, elle ne va pas se souvenir de vous euh, dans la nuit, hein. c'est-à-dire que le, la veille euh, elle se rappelle de vous, le lendemain elle se rappelle plus. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quand même un schéma et ça met un petit peu de temps. Il y a une dégradation neurologique qui se met en place avant d'arriver à des stades euh, finaux. La possession, c'est un peu plus radical quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui va changer de comportement quasiment du jour au lendemain. Quand vous avez comme ça cette fracture, cette dissociation qui se fait. On peut se poser la question de se dire est-ce qu'il s'agit simplement d'une fracture mentale ou est-ce qu'il y a autre chose? Après, il peut y avoir aussi des terrains propices à la possession. Je m'explique. Si vous avez une famille qui est extrêmement pieuse, qui est dans des courants religieux, toutes religions confondues, ou qui est dans des mouvements de paganisme de magnétisme tout ce que vous voulez tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme voilà si déjà vous évoluez dans, dans ce type de terrain qui est un peu propice Bon, je préfère quand même vous avertir quand vous pratiquez les cartes, le pendule, le spiritisme, la magie, n'importe quoi, quelconque pratique spiritique, euh, spiritique <laughs> pas, pas du tout, quelconque pratique ésotérique, c'est comme si vous marchiez dans un champ de mines. Hein. C'est un petit peu au bonheur la chance, dire que si vous êtes vigilant, vous faites attention, euh, vous pouvez bien vous en tirer. Si vous courez comme ça dans le champ, euh, vous allez peut-être prendre une mine. Vous hein, voyez Bon, donc il faut faire attention quand on évolue dans ce domaine-là. On s'expose. Tout naturellement à tout type d'énergie. Hein. Ça, ça, je vous le dis très souvent dans les vidéos. Si vous avez peur de ce monde, ne pratiquez pas. Et ne croyez pas que euh, quand vous tirez votre tarot, vous êtes à l'abri. Pas du tout. Hein. La cartomancie, c'est une pratique qui permet de connecter à d'autres énergies. C'est une fenêtre que l'on ouvre quelque part sur l'autre monde. Donc vous vous exposez autant que quelqu'un qui fait du spiritisme. Et j'ai même envie de vous dire, vous vous exposez même de façon pire que quelqu'un qui va pratiquer une séance de spiritisme. Parce que vous, avec votre petit jeu de tarot, vous dites, oh, c'est innocent, c'est rien, allez hop, je tire de trois cartes, boum boum. Et vous ne prenez aucune précaution. Quelqu'un qui va pratiquer une séance de spiritisme, il va être peut-être plus vigilant parce que justement il a une certaine appréhension par rapport à ça. Donc il va être plus précautionneux dans euh, tous les, euh, comment on pourrait dire, dans les protections qu'il va déployer. Il peut faire un cercle, une prière, il va allumer des bougies, de l'encens. Bon, tout ça, je tiens à vous dire, ça ne protège pas en soi. C'est-à-dire que si le mal veut vous frapper, concrètement, ce n'est pas un cercle de protection qui va vraiment vous protéger, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet, je vous l'expliquerai plus en détail. C'est, euh, comment on pourrait dire, c'est le, le, le pouvoir de la persuasion. C'est un peu un effet placebo. Rappelez-vous ce que je vous explique sur la magie. La magie est intention. À partir du moment où on met une intention dans quelque chose, que l'on croit à quelque chose qui est possible et qui peut se réaliser, eh bien cette chose va se matérialiser. Donc, si pour vous, votre cercle de protection, vous y mettez l'intention qu'il va vraiment vous protéger, qu'il va délimiter un espace sacré que personne ne pourra violer, alors il sera efficace. Mais si vous faites un cercle de protection juste parce qu'on vous a dit d'en faire un, et que vous n'y mettez aucune conviction dedans, ne faites rien, ça sert strictement à rien. Voilà. Mais ça, comme je l'ai dit, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, comme je vous le disais, si euh, vous pratiquez votre tarot sans être précautionneux par rapport à quelqu'un qui va prendre d'autres précautions en faisant des pratiques plus extrêmes, eh bien malheureusement, c'est vous qui allez euh, ramasser parce que voilà. Vous... Alors, ça peut être soit de, de, de l'inculture, ça peut être soit un manque d'information, ça peut être soit vraiment d'une façon innocente, vous ne pensiez pas que une telle pratique pouvait s'avérer être dangereuse, ou alors un men foutisme complet ou de l'arrogance mal placée en vous disant ah oh, moi personne peut me toucher. Lucifer, viens, je t'attends. Ah bon. enfin, il peut y avoir plein de cas de figure qui peuvent se présenter. Mais voilà, quand déjà vous avez un terrain propice... Voilà, vous, vous, vous multipliez quand même les risques que quelque chose puisse se produire. Donc, vous avez le changement de comportement, vous avez un euh, jardin qui peut être propice aussi à ça, et puis vous allez avoir des phénomènes qui peuvent se produire. C'est-à-dire que pareil, la possession pourrait un peu se définir comme une maladie. Je vais reprendre Alzheimer, c'est-à-dire que avant euh, le stade où votre maman ne va plus se souvenir de vous et le stade où elle a développé la maladie, il y a quand même du temps. La possession, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez la personne qui change radicalement et qui se met à avoir la tête qui tourne, qui se colle au plafond et qui vomit de la purée de poids, là, ça veut dire que ça fait déjà un moment que ça travaillait le truc. Hein. C'est pas, pas tombé dessus d'un coup. C'est-à-dire que c'est pas en une nuit, il y a une entité qui est venue, je vais te posséder et puis est, le lendemain elle est au plafond. Non, c'est un processus qui se met en place aussi. Moi, je le définis très souvent avec ce petit moyen mnémotechnique que je vous autorise à reprendre c'est HOP. H-O-P. H pour antise. O Pour oppression et P pour possession. La hantise généralement va se manifester. Alors, je vais pas vous raconter tous les détails et vous citer tous les exemples qu'il peut y avoir. Je pense que vous êtes suffisamment malin pour deviner de quoi une hantise va parler. Hein, on va parler de présence, euh, d'énergie, d'odeur, d'objets qui peuvent bouger, d'apparitions, de manifestations multiples, de choses que l'on n'explique pas. Bref, tout ça c'est la hantise. La hantise. A pour but de vous déstabiliser, de faire tomber vos barrières. Pourquoi eh bien, pour vous rendre vulnérable justement, hein, la hantise c'est le meilleur test que les entités ont pour justement vous déstabiliser et faire tomber vos barrières psychiques et vos boucliers, parce que malheureusement on reste humain et en qualité d'humain justement il y a des choses qui pour nous ne sont pas rationnelles, ne sont pas logiques et si on a je sais pas un objet qui se met à léviter dans l'air, eh bien ça va nous déstabiliser parce que pour nous ce n'est pas normal qu'il y ait le de la mamie qui soit à 3 mètres du sol, c'est pas normal, c'est voyez. Et ça, ça va nous déstabiliser. Ça peut être aussi notre foi qui va être testée. Hein. Très souvent, d'ailleurs, les cas de possession se manifestent plus souvent vers des personnes qui sont très pieuses, parce que justement, plus vous êtes pieux, plus vous croyez en quelque chose, plus vous avez une conviction qui est forte, et plus vous êtes une victime potentielle très intéressante. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit en rien. Pff, ça, ça serait trop facile de l'attaquer, ça serait déjà gagné. Mais quelqu'un qui a une foi, qui a des convictions profondes, c'est un adversaire qui est intéressant, quelqu'un à qui on a envie de se mesurer, ne serait-ce que par simplement diablerie pour tester un peu sa foi, pour ah ouais, toi tu crois vraiment en Dieu Attends, je vais tester ça. Vous voyez, ça peut être dans cette démarche-là aussi. Donc tous les cas de hantise, alors, pas tous les cas de hantise. Mais là encore, je vous ferai une vidéo qui sera dédiée à la hantise pour vous détailler les différents points de hantise. Mais en règle générale, la hantise dans un lieu, un lieu où vous habitez, et qu'il y a un cas de hantise qui se manifeste très souvent, ça va être le premier test pour faire tomber vos barrières, pour vous rendre vulnérable en cultivant la peur, l'incompréhension, l'impuissance. Hein, parce que quand vous avez des manifestations surnaturelles et que vous ne voyez pas vos Ennemi, vous êtes impuissant et à part subir, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et comme la plupart des gens ne savent pas comment se comporter, ne savent pas comment réagir, et eh bien ils deviennent des proies de plus en plus intéressantes à chaque jour qui passe, à chaque nouvelle manifestation surnaturelle, ça va faire tomber une nouvelle barrière qui vous rend de plus en plus vulnérable. Ensuite, quand l'entité est là aussi, je vais vous expliquer quel type d'entité sont friandes de possession, et croyez-moi que vous allez être particulièrement déçu. Donc, lorsque la hantise est terminée, vous allez avoir ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est quand l'entité a gagné suffisamment en puissance, elle s'est nourrie de votre peur, elle a fait tomber les barrières, elle vous a rendu vulnérable, et maintenant, elle va directement s'en prendre à vous. Et elle va littéralement vous intimider par plein de... Euh, plein de... comment on pourrait dire plein d'outils. Ça peut être du tactile, c'est-à-dire que vous allez avoir l'entité qui va vous toucher, vous allez sentir... Des mains, des caresses, des choses comme ça. Ça peut être aussi des griffures, des morsures, des vraiment une attaque physique. L'entité vous attaque physiquement. Ça peut être aussi vous faire des cauchemars pour euh, là encore vous affaiblir. C'est-à-dire que si vous faites des cauchemars, vous continuez à développer votre peur, vous avez peur d'aller dormir, du coup vous dormez encore moins, donc vous êtes fatigué. La fatigue vous rend encore plus vulnérable, et après on rentre dans un cercle vicieux où plus vous allez être fatigué, plus vous allez être torturé et, et plus en fait vous allez être manipulé par l'entité qui vous emmène vers exactement ce qu'elle veut. Donc l'oppression se manifeste, comme je l'ai dit, par des contacts physiques, par du harcèlement aussi au sens propre du terme. C'est-à-dire que, imaginons moi, je ne sais pas, que euh, votre famille, à chaque fois que votre famille est là, il ne se passe jamais rien. Mais c'est à chaque fois que vous êtes seul qu'il se passe des choses. Comme pour vous faire comprendre que vous devenez complètement dingue. Euh, après tout, euh, les membres de, vos de votre famille ne voient rien, ils n'assistent à rien. Pourquoi est-ce qu'ils vous croiraient C'est tout le temps quand vous êtes seul qu'il arrive quelque chose, c'est quand même curieux. Vous voyez, donc après il va y avoir ce, ce manque de, de foi, de, ça, le, le doute, voilà le doute qui va s'installer de la part de, des membres de votre famille. Et quand le doute s'installe, eh bien on ne soutient plus la personne. On se dit, oh, tu sais, je pense que Martine, elle est en train de, elle me dit qu'elle voit des choses, qu'elle vit des choses. Je m'inquiète pour elle. Vous voyez, et là encore, c'est une nouvelle arme d'attaque pour vous déstabiliser et pour vous isoler parce que le but de l'entité, c'est non seulement de faire tomber vos barrières, vous rendre vulnérable, mais vous isoler pour avoir l'étape finale, vous posséder. Et la possession, une fois que l'entité a fusionné avec vous, il est très délicat et euh, très souvent dans la plupart des cas, dans 95% des cas de possession, le possédé est décédé. On ne survit quasiment pas à une possession parce que c'est un combat qui est extrêmement épuisant. C'est-à-dire que avant d'être possédé, votre corps a lutté déjà depuis pas mal de temps la hantise, l'oppression, etc. Vous avez accumulé de la fatigue à la fois mentale mais physique. Donc déjà votre corps est épuisé. Vous n'avez plus le même soutien aussi de la part de vos proches parce que euh, certains pensent que vous êtes un petit peu fêlé de la carafe, hein, euh, et une personne se dit c'est un démon, c'est une possession. Personne, absolument personne, enfin je veux dire même quelqu'un comme moi, il émettrait d'abord un avis entre guillemets médical et psychologique plutôt que de se dire la personne est possédée. Donc vous voyez, personne ne réagit de façon naturelle en se disant c'est une possession, pas du tout. C'est pas naturel de réagir comme ça. Donc du coup, vous êtes seul, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé physiquement, moralement et euh, lorsque l'entité a avec vous et votre corps, et eh bien après c'est souvent un combat pour vous sauver, pour sauver votre âme, vous délivrer votre esprit, mais très souvent le corps est dans un tel état de fatigue, surtout si le combat devient extrêmement long, parce que les exorcismes, c'est pas comme dans les films, hein vous savez, vous avez le prêtre qui arrive, il jette un petit peu d'eau bénite, hein, le pouvoir du Christ pousse à céder, et pouf pouf, on vomit trois fois et c'est fini. Ça, il n'y a, uh, a que chez Hollywood qu'on voit des exorcismes comme ça. Il hein, a que comme ça. Le... Parce qu'un vrai exorcisme, ça prend du temps, ça ne se fait pas en une seule fois, mais en plusieurs fois, parce que un... le but, c'est de fatiguer l'entité. Donc pour la fatiguer, il faut tous les jours, tous les jours, et continuer, et continuer, et sans arrêt, et pas s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle finisse. Par être agacé, se lasser, être épuisé, elle aussi, parce que posséder un corps, cela nécessite extrêmement euh, de l'énergie, hein, de consommer de l'énergie pour l'entité comme pour tout le monde d'ailleurs. Donc cette énergie, elle n'est pas, euh, pas infinie, elle n'est pas indéterminée. Il y a un moment donné où l'entité n'arrive plus à lutter elle aussi et elle finit par renoncer. Mais très souvent, c'est la victime qui renonce avant l'entité. Hein. Là aussi, question de logique. C'est-à-dire que vous, vous avez un corps avec un certain potentiel qui est limité face à une entité qui, elle, n'existe plus, qui n'a plus d'existence physique et qui, elle, a un potentiel qui est nettement plus élargi que vous. Donc, fatalement, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, je sais pas, euh, prenez deux bouteilles. Vous avez une bouteille d'un litre, une bouteille de cinq litres. Ouvrez les bouchons de ces deux bouteilles. Bah, il y en a une qui sera vide avant l'autre, vous voyez C'est exactement le même principe. Votre corps, c'est la bouteille d'un litre. L'esprit, c'est la bouteille de cinq 5 litres même si son énergie est limitée elle sera toujours plus importante que la vôtre donc c'est pour ça que la plupart des exorcismes se terminent mal parce que ce sont des personnes qui sont fatiguées qui sont épuisées et qui sont aussi un petit peu j'ai envie de dire faibles alors attention je vais prendre des guillemets en disant ça faible dans le sens où le mal ne s'attaque jamais à des personnes fortes il va toujours viser le plus faible c'est à dire que sur une famille je sais pas imaginons une famille de sept frères et soeurs il va viser le plus faible, le, le petite, la petite brebis galeuse hein, de la famille, celui qui est un peu rejeté, celui qui, qui est un peu fébrile ou, ou qui a un handicap ou qui est différent, voyez, qui, qui est un petit peu plus faible que les autres. Il va pas s'attaquer à des esprits forts parce qu'il sait que le combat il sera pas possible à hein, un esprit fort. Par nature, un esprit fort, il a des barrières et un bouclier qui va être nettement plus fatigant à, euh, à faire tomber. Hein. Euh, bah là encore, je vais vous citer un exemple très concret: Prenez un barrage qui serait fait avec deux trois branches en bois et un barrage de 200 mètres de haut avec des murs en béton qui font 30 mètres d'épaisseur. Bon, eh ben, vous n'allez pas vous attaquer à ce barrage-là. Vous allez viser euh, celui qui est à votre portée parce que vous connaissez aussi votre potentiel et ce que vous êtes capable de faire. Une entité, c'est pareil. N'oubliez hein. pas qu'une entité est une, est une énergie qui est intelligente, qui a un raisonnement et qui est consciente de ce qui peut être possible ou pas. Donc, elle ne va pas s'attaquer à des personnes qui sont extrêmement fortes ou elle sait qu'elle euh, qu ne pourra pas gagner. Non, elle va viser la petite brebis en dehors du troupeau qui est innocente et qui est facile à attaquer, hein. Eh oui, le mal est lâche. Le mal est lâche. Nous sommes d'accord. Voilà. Bon. Voilà pour la description de HOP, H-O-P, Antise, Oppression, Possession. Voilà, c'est les trois phases qui vont amener à euh, la possession ultime. Et comme je vous l'ai dit, comme une maladie, ça ne se déclare pas comme ça du jour au lendemain. Vous allez avoir plein d'indices, plein de signes, plein de choses qui sont étranges, qui, qui vont attirer votre attention et qui doivent attirer votre attention parce qu'à chaque fois, c'est un signal d'alerte pour vous dire que vous subissez une attaque et que cette attaque vous avez deux options pour y répondre soit vous faites bloc vous faites front et vous répondez aussi de façon offensive soit vous faites mine de rien vous faites cas de rien vous cultivez une peur vous vous enfermez dans ce cycle vicieux et, et c'est cuit pour vous après voyez pour ça que dans mes vidéos, quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas avoir peur aussi de s'imposer face à une entité, faites-le, c'est pas une blague, c'est vraiment une arme de défense. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire Dieu, Jésus, machin, pas du tout, pas du tout. N'oubliez pas que votre force avant tout, c'est vous-même, vous êtes votre propre protection. Hein, votre corps déjà est une protection physique, votre esprit, vos émotions, vos sentiments, votre intention et surtout vous avez une âme, une arme, <laughs> lapsus révélateur, vous avez une arme qui est imparable face à ces entités, c'est le fait que vous possédiez la vie. Ce qui m'amène au dernier point de la vidéo, quelles sont ces fameuses entités qui ont la capacité de... Posséder. Est-ce qu'on a le droit aux légendaires Pazouzou, Abélial, Baal, Lilith et je ne sais. Non, alors on va casser tous ces mythes-là. Je vous ai prévenu, vous alliez être déçus. Je vous ai averti. <laughs> Enlevez-vous de la tête ce cliché absolument stupide et surtout reposant sur aucun fondement propre, à savoir que ce sont des démons qui sont responsables de possession. Ça, c'est une absurde surdité pourquoi ben Parce que je vous ai expliqué ça justement. Un démon, par nature, ce n'est pas une créature, ce n'est pas une entité qui est faite de chair. Elle n'a jamais été constituée de chair. C'est comme un ange. Les anges et les démons, n'oubliez pas, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes êtres, ce sont les mêmes entités qui ont le même taux vibratoire, qui ont la même, le même type d'énergie, puisque tout simplement, les anges, les démons, ce ce ne sont pas des personnages ailés, etc., comme on peut se les représenter, ou des diables fourchus avec les cornes et compagnie. Pas du tout, là encore, mais pas du tout, puisque les anges et les démons n'ont jamais possédé de forme propre. Si vous ne me croyez pas, renseignez-vous sur les vrais anges. C'est-à-dire dans la chrétienté, hein, tous ceux qui vénèrent les anges avec leurs ailes habillées en blanc, leurs auréoles, tout ça, tout ça, qui jouent de l'harpe. Hein. Euh, renseignez-vous à, à quoi ressemblent les vrais anges. Vous allez voir qu'ils sont dignes de films d'horreur. Si, si, je vous assure, je vous assure. Allez-y, allez voir. Tapez, et cherchez les vrais anges. À quoi leur forme, à quoi ils ressemblent. Vous allez voir que vous allez beaucoup moins les apprécier parce qu'ils sont franchement creepy. Il y en a deux, trois. Euh, c'est par exemple, il y en a un, c'est un œil géant avec des ailes. Bon, je suis désolé, moi, je vois un œil géant dans le ciel. Euh... <laughs> ah bon, on est d'accord. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que il est complètement absurde de véhiculer des images qui sont complètement erronées. Un ange et un démon ne pourront jamais prendre possession d'un corps humain, d'un corps physique, d'un corps qui est fait de matière, puisque eux-mêmes sont composés, entre guillemets, d'antimatière, ils sont dans l'immatériel, ils sont énergie et ne peuvent pas prendre possession d'un corps. Je prends un exemple très concret, vous allez vite comprendre. La foudre, la foudre, c'est une énergie, hein, puisque la foudre, quand elle se manifeste, c'est quand vous avez des ions, quand vous avez l'air qui est rempli d'énergie électrostatique statique et qui va finir par être tellement concentrée qu'elle va se manifester pour décharger l'attention. Bon, les anges et les démons, c'est exactement pareil que la foudre, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui sont à la fois partout et nulle part à la fois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils n'ont jamais été faits de chair et de sang et par conséquent, ils ne peuvent physiquement pas Prendre possession d'un corps, puisque eux-mêmes ne sont pas corporels et ne l'ont jamais été. Donc enlevez-vous ça de la tête une bonne fois pour toutes. La plupart des cas de possession avérés ne sont pas réalisés par des démons, mais par des entités qui étaient autrefois humaines. Est-ce que ça vous semble plus logique déjà Eh bien oui, ces entités-là. Elles étaient humaines, elles étaient faites de chair, aujourd'hui elles sont conscientes de ne plus être vivantes et elles, ce qu'elles convoitent, c'est la vie que vous possédez. Une entité qui cherche à posséder un corps, c'est uniquement parce qu'elle convoite la vie que vous détenez, elle est jalouse de cette vie que vous, vous avez et qu'elle n'a plus et qu'elle voudrait retrouver, donc c'est pourquoi elle va s'attaquer pour vous voler ce que vous possédez, aussi simplement que ça. Vous allez me dire oui, mais alors pourquoi on entend des démons dans les exorcismes, blablabla? Bon. Alors, déjà, on va être très clair sur les entités qui euh, vous possèdent. On est bien d'accord qu'on parle pas de la gentille grand-mère qui vous faisait un gâteau à la cerise tous les dimanches. Non, c'est pas ce type d'entité-là qui va venir vous posséder, pas du tout. Mais pour faire référence au début de ma vidéo, vous vous souvenez de Jeffrey Dahmer Ce type de personnes-là qui n'étaient pas des bonnes personnes de leur vivant, qui étaient particulièrement tourmentées, justement, tout au long de leur vie, et qui vont connaître euh, dans la mort, eh bien, le même type de vie. Hein, J'ai envie de dire que leur mort va être ni plus ni moins. Que la continuité de leur vie, voire encore pire, puisqu'ils vont être encore plus tourmentés. Hein. Ils vont être dans, dans les abîmes, dans des plans inférieurs. Ça peut être du bas astral, ça peut être les limbes, ça peut être certains cercles de l'enfer, ça peut être plein de choses comme ça, hein, en fonction de où est-ce qu'ils zonent, où est-ce qu'ils est qu errent, et ce en quoi vous croyez aussi. C'est hein, aussi simple que ça. Donc, toutes ces âmes-là, qui déjà méprisaient la vie de leurs vivants, qui ont détruit la vie déjà lorsqu'ils étaient êtres humains, autour euh, vous dire que dans la mort, ils n'ont encore moins de scrupules, euh, voilà, hein, ça, très clairement. Et tous ces fameux noms de démons qu'on entend, hein, ce, ce cliché du prêtre, donne-moi ton nom, démon, et quand vous avez le nom du démon, il s'en va parce que la partie est gagnée. Pas du tout. Qu'est-ce que ça peut être stupide Ça, je vous jure, c'est vraiment un truc que je trouve complètement absurde, parce que le fait de connaître le nom du démon, c'est pas ça qui va le faire fuir. Je veux dire, un démon, s'il a envie de vous attaquer, c'est d'une part, vous l'avez bien cherché. <laughs> Sachez quelque chose, un démon ne vous, atta ne vous attaquera jamais gratuitement. Si c'est un démon en personne qui vient vous chercher, d'une part déjà vous êtes dans le caca, et puis alors bien comme il faut, hein, parce que même le plus bas des démons... <laughs> vous allez morfler sévère. Mais euh, si c'est un démon en personne qui vient vous chercher, c'est que vous l'avez bien mérité ou que vous avez vraiment cherché votre malheur, hein, que vous l'avez provoqué, que vous avez fait quelque chose, que vous avez fait un rituel, que vous lui avez promis quelque chose, peut-être que vous l'avez invoqué, euh, vous lui avez demandé euh, richesse, amour, gloire et beauté, et en, en, en compensation vous lui donnez ceci, cela, et puis le moment venu vous ne lui donnez pas, donc il va venir récupérer son dû. Hein, voilà. Très souvent d'ailleurs c'est plutôt ce genre de choses là, hein, parce que lui dans toute sa vénalité, il demande, il demande, mais il ne donne jamais. Donc, au bout d'un moment, et eh bien, faut bien venir chercher par soi-même. Hein bon. euh, donc, quand vous avez un démon qui vient vous voir et qui, euh, vous, comme je l'ai dit, vous êtes dans le caca parce qu'il va pas vous posséder, mais je garantis qu'il va reprendre déjà tout ce qu'il il vous a donné. Hein mais en plus de ça, il va vous infliger de maux qui vont être bien pires que tout ce que vous aviez pu imaginer. C'est-à-dire que, à la fin, vous allez même supplier pour être possédé par une entité tellement ça semblera être Plaisant. Hein. Quand un démon s'acharne dans votre vie, croyez-moi que c'est fini après. Hein. T as, t as... Voilà. Bon. Mais ça aussi, ça fera le sujet d'une vidéo on en parlera plus en détail. Bon. Je reviens à ce que je vous disais par rapport aux entités. Donc la plupart des cas, ce ne sont pas des démons. Ça peut arriver. Attention, j'ai pas dit que c'était pas, pas possible. Non, j'ai dit ça peut arriver. Dans certains cas de figure assez extrêmes, vous pouvez avoir un démon, un vrai démon, qui va prendre entre guillemets possession. Mais c'est pas lui vraiment qui va prendre possession. Il va plutôt utiliser une âme sulbaterne, une entité, euh, voilà, euh, euh, quelqu'un pour faire le sale boulot, si vous préférez. Et il va un peu le nommer pour faire ce travail là, pour faire ce travail de tourment, mais c'est dans un cadre bien précis. C'est souvent pour infliger une punition à la famille ou aux proches, pour tester la foi des proches, pour punir tout simplement, pour se venger parce que on l'a eh bien, on lui a menti, on lui l'a fait à l'envers, etc. etc. Donc c'est souvent par vengeance ou autre. Et croyez-moi que dans 100% des cas, quand vous avez un démon qui vous a pris comme cible c'est comme si vous aviez un bulle qui vous a dans sa vision c'est à dire qu'il ne vous lâchera pas tant qu'il n'y aura plus de poux hein. voilà. un démon c'est ça et dans 100% des cas une possession par un démon c'est considérer que la personne est décédée. Hein. C'est l'exorcisme ne sert que pour sauver son âme. C'est tout. Pas pour sauver son corps parce que la personne ne s'en sortira pas, malheureusement. Hein. Mais par contre, les entités, ça peut être différent. Il peut y avoir, voilà, on peut y arriver, mais là encore, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Et je vais terminer la vidéo par vous parler aussi par. Les types d'exorcismes que l'on ne parle pas et qui sont plus efficaces, à mon sens, que les exorcismes bah, comme le film en question, hein, avec Regan, le prêtre, euh, tous les films d'ailleurs d'Hollywood où on voit l'eau bénite, euh, les chapelets, et compagnie, compagnie. Et là aussi, je vais vous expliquer, vous allez comprendre que ça paraît logique. Bon, mais on va quand même terminer sur les fameuses entités. Donc, la plupart des possessions sont des entités d'âmes, de personnes qui étaient des personnes des êtres humains, et comme je l'ai dit, qui n'étaient pas des bonnes personnes. Donc si elles n'étaient pas des bonnes personnes de leur vivant, pourquoi elles deviendraient de bonnes personnes dans leur mort Elles n'ont plus aucune limite, il n'y a plus de menaces de prison, il n'y a plus de juges, plus d'avocats, plus de limites à leur, à leur horreur. Donc, ils sont capables de tout à ce moment-là et ils vont développer et déployer absolument tout pour arriver à leur fin, tout simplement. Et si vous êtes attentif, dans les cas de possessions un petit peu, j'ai envie de dire, euh, connues et célèbres, on va prendre par exemple Anne-Lise Michel, hein, je pense que vous la connaissez toutes et tous, ou en tout cas vous en avez entendu parler. Attention, si vous faites des recherches sur elle, il existe des vidéos sur YouTube avec les enregistrements vocaux de Anne-Lise Michel qui sont très impressionnants. Je vous avertis, donc âme sensible, vraiment s'abstenir parce que voilà, c est, c est, si vous êtes un petit peu fragile, ça va pas vous aider à aller mieux. Ok, donc épargnez-vous ce type de choses, épargnez-vous ce type de recherche Mais Anne-Lise Michel est connue, et tristement connue malheureusement pour avoir été possédée par plusieurs esprits. D'ailleurs, il y a un film que je vous invite à regarder qui est, je trouve, très intéressant et qui ne fait pas spécialement peur parce que l'exorcisme est apporté d'une certaine manière. C'est, vous verrez, c'est le film L'exorcisme d'Emily Rose qui reprend le cas de Anne-Lise Michel. Et ce film, vous pouvez y aller parce que euh, il n'est pas effrayant. Honnêtement, je pense pas que vous en ferez des cauchemars, il n'est pas effrayant. Et euh, voilà, je vous dis rien, juste allez voir. Pour le coup, je préfère que vous regardiez ce film plutôt qu'aller écouter les, les enfants. Enregistrement vocaux danne Michel qui vont vous traumatiser de vita aeternam, ok Mais euh, dans le cas d'Anne-Lise Michel, euh, lorsque elle évoque des noms, elle évoque des noms de personnages connus de personnages qui ont vécu, hein, puisqu'elle évoque Néron, Fleischmann, Hitler... Euh, c'est pas des démons, hein, c'est des entités, des, des êtres humains avant tout, qui étaient horriblement horribles, j'ai envie de dire, mais des êtres humains avant tout. Donc, vous voyez, ça paraît plus logique d'avoir des entités de ce type-là qui attaquent qu'un démon. Enfin, un démon, il n'a pas de raison d'aller venir attaquer une pauvre gamine de 17 ans. Euh, non, il n'y a aucune raison, sauf si elle a fait des trucs, mais je veux dire, c'est pas le cas. Quand on connaît l'histoire danne Michel, elle a rien fait fait qui aurait suscité l'intérêt d'un démon de venir l'attaquer. Voilà. Et pour la plupart des cas d'exorcisme, on va retrouver ce type d'entité-là. Alors maintenant, autre cliché, le fameux nom, l'histoire du nom. Pourquoi Jojo, on nous dit que lorsqu'on connaît le nom du démon, on peut le chasser alors j'ai envie de dire que c'est plus une sorte de jeu macabre, c'est-à-dire que effectivement vous pouvez avoir des entités qui vont travailler pour certaines autres entités, pour certains démons. Parfois ça peut être des démons de la seconde hiérarchie. Alors là aussi, pas de panique, je vous ai prévu une vidéo pour vous expliquer les démons de la première hiérarchie, de la seconde hiérarchie. Et vous verrez que le mal qui est en train de se répandre à l'heure actuelle est issu justement des démons de la deuxième hiérarchie, du second ordre. Ce sont des démons qui sont pour la plupart à la base des égrégores, qui ont été... Tout simplement créé par la folie, la cruauté de l'être humain. C'est-à-dire que le mal qui se répand sur terre à l'heure actuelle, c'est pas Belzébuth, Baal. Et... Non, laissez-les tranquilles. Ils, ils sont pas à l'origine de ça. Hein. L'être humain, il est très doué pour s'autodétruire, pour détruire tout ce qu'il touche, et il est aussi très doué pour créer de nouvelles races d'entités euh, démoniaques, entre guillemets, hein, qui sont capables de euh, raser l'humanité, mais aussi de toucher le D'autre côté, parce que sachez que même le royaume infernal de l'autre côté est aussi menacé. Par ce nouveau mal. Hein. Oui, je, ça semble complètement aberrant ce que je suis en train de vous dire, mais je promets que c'est bel et bien vrai. Malheureusement. Hein. Bon, et je tiens à vous rappeler que le monde est un équilibre. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la lumière qui doit gagner, ni les ténèbres. C'est les deux ont besoin l'une de l'autre pour coexister. Hein. Si l'une n'existe plus, elle annule l'existence de l'autre. D'accord Donc euh, là aussi, il faut arrêter le cliché de ah tant mieux si c'est le bien qui gagne. Pas du tout. <laughs> Ceux qui pensent ça, vous êtes des extrémistes qui n'avaient rien compris à l'équilibre même de l'univers. Du cosmos, de la création, etc. Hein Il faut revoir toutes vos bases de cosmologie, de lois quantiques, de lois quantique, loi physiques, etc., etc. Parce que l'un et l'autre n'existent ne, pas. Hein Donc voilà. Bon. mais ça aussi, ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc, ce fameux nom, revenons à ce fameux nom, quel est l'intérêt de connaître le nom du démon et est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des entités qui vont bosser pour certains démons et effectivement, le fait de connaître le nom, mais le vrai nom, parce que dans le nom, il y a une nature spirituelle, il y a une capacité particulière qui vous donne effectivement un pouvoir. Quand on a tous un nom, un nom civil, mais vous avez aussi votre nom magique pour ceux qui sont Wiccan, pagan, pagan, pa, je sais jamais comment on est. païen, <laughs> pagan, je parle en anglais, pardon, païen, païen, sorcier, sorcière, tout ce que vous voulez. Très souvent, vous allez, vous, soit vous donner, ou c'est votre coven, ou euh, votre mentor, peu importe qui, un, un guide, tout ce que vous voulez, on va vous donner votre nom magique. Celui-ci, il est beaucoup plus intime, et vous allez uniquement le donner à des personnes en qui vous avez vraiment confiance, ou voire pas du tout. Et c'est sous ce nom que vous allez vous présenter. Ce nom déjà est beaucoup plus personnel que votre nom civil parce qu'après tout votre nom civil ce n'est pas vous qui l'avez choisi c'est vos parents hein, moi je prends un exemple Jonathan je, je, je suis désolé j'ai rien contre les Jonathan mais moi j'aime pas mon prénom et j'aurais pas voulu m'appeler Jonathan voilà c'est comme ça bon. euh, quel prénom j'aurais voulu avoir eh bien je vous laisse deviner proposez-moi des, des prénoms en commentaire ceux qui me connaissent essayez de deviner le prénom que j'aurais aimé porter <laughs> Un petit indice, c'est aussi un prénom biblique et ils ont chanté tous les deux Est-ce que tu viens pour les vacances Voilà. Donc, si c'est pas l'un, c'est l'autre. <laughs> bon, bref, blague à part. Donc, ce fameux nom magique est plus intime et il est plus propre à vous. Mais vous avez aussi un autre nom qui, lui, est bien plus secret c'est le nom de votre âme, le nom de votre essence, votre ce qui correspond à votre code génétique. Vous savez que nous possédons tous un code génétique unique hein. nous avons tous des empreintes digitales qui sont uniques on a une identité adn qui est unique eh bien vous avez ce nom qui est rattaché à votre adn unique et le fait de connaître ce nom-là eh bien c'est comme si on donnait la clé d'une maison ou d'un coffre-fort. Hein, et du coup, on peut accéder à tout ce qui est le plus secret en vous et prendre le contrôle de vous. Eh bien, c'est exactement le même principe avec ce, euh, comment on peut dire, ce, ce délire de trouver le nom du démon ou de l'entité. Mais trouver juste son nom, c'est pas suffisant à gagner l'exorcisme, pas du tout. Et pas Pazouzou, hein. j'ai failli le dire. <laughs> non, le fait de connaître le nom de l'entité, c'est pas ça qui va vous faire remporter la victoire. Non, c'est surtout votre force, votre détermination, l'énergie que vous allez déployer, les armes que vous allez utiliser. Et quand je parle d'armes, je fais pas référence à des couteaux, à des pistolets ou quoi que ce soit. Hein. Non, s'il vous plaît, <laughs> ne faites pas de bêtises. Non, quand je parle des armes, c'est justement la foi, le pouvoir de la persuasion, l'intention, la vélocité, la ténacité, le fait de ne pas renoncer, d'imposer sa conviction, de s'imposer à l'entité, de lui montrer que c'est nous qui sommes le plus fort et qu'on ne lâchera pas et qu'on va la faire dégager qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas et le fait en fait de connaître son nom, c'est juste que ça nous donne une certaine autorité supplémentaire sur l'entité. Imaginons, euh, vous avez votre enfant, bah votre enfant quand vous citez son prénom, ça impose un peu plus de quelque chose. Vous voyez, hein? euh, tous, on, on, on se donne des petits surnoms, mon chéri, mon amour, machin et tout. Par contre, quand on entend l'autre qui prononce notre prénom, on se dit oula, là, ça sent le gaz, <laughs> c'est pas bon. <laughs> D'habitude, il m'appelle bébé tous les jours. Pourquoi là, il m'appelle Jonathan là? Ça, ça, ça pue là. <laughs> c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser le nom, le prénom vous imposez une force supplémentaire, une forme d'autorité. Donc par conséquent, le fait de connaître le nom, Peut aussi vous donner le portrait de l'entité si vous la connaissez. Donc vous pourrez, si vous avez une certaine culture, eh bien vous connaissez peut-être les faiblesses de cette entité, ses failles, etc. Ce à quoi elle est sensible, faire du chantage, etc., etc. Ça vous donne plus de force. Mais c'est pas le nom en lui-même qui vous donne le pouvoir. De... Pas du tout. Non, c'est juste qu'en connaissant son nom, vous allez déployer un peu plus de force et euh, d'affirmation pour mener à bien votre exorcisme. Et enfin, dernier point de cette vidéo, l'exorcisme à proprement parler, à savoir vous avez toutes et tous le cliché de Regan qui est au plafond, la tête qui tourne à 360, le prêtre qui lui jette de l'eau bénite, hein, voilà. vous avez tous l'image en tête je pense, on est d'accord. Mais est-ce que vous connaissez les exorcismes obscurs, les exorcismes dits sataniques aussi, ou les exorcismes païens, les exorcismes de sorcellerie, les exorcismes qui sont menés par les marabouts en vaudou, les Exorcismes asiatiques. Il existe une multitude d'exorcismes. Et les exorcismes les plus efficaces sont les exorcismes obscurs. Eh oui, les amis, contrairement à ce qu'on croit. Soyez logique, là encore une fois. Imaginons que vous avez en face de vous une poêle avec de l'huile qui est brûlante, qui est en train de s'enflammer. Je vous déconseille fortement de jeter de l'eau dessus pour l'éteindre. Amusez-vous à jeter de l'eau sur une huile brûlante, vous allez faire flamber toute la baraque et le quartier avec. Eh hein? bien, les exorcismes chrétiens, c'est ça. C'est une huile bouillante sur laquelle on va jeter de l'eau bénite. Ah ben, c'est normal que ça explose, hein, puisqu'on va confronter deux forces qui sont diamétralement opposées, deux énergies qui sont complètement contradictoires, qui vont s'affronter dans un choc frontal, et chacun va y laisser ses plumes. Hein. Que les exorcismes obscurs, eh bien ceux-ci sont... Comment je pourrais vous dire on discute le bout de gras avec l'entité, tout simplement. Et on va aussi réaliser une forme de chantage en disant, bon, écoute, euh, soit tu pars toi-même, soit j'invoque quelqu'un dans mon répertoire qui est nettement plus fort que toi et qui va venir te récupérer de force. Ou... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Donc, les exorcismes... Obscurs sont beaucoup moins spectaculaires dans le sens où déjà eh bien l'entité ne nous fait pas peur puisque la personne euh, comment on pourrait dire le prêtre obscur eh bien il est habitué à ce type d'entité là donc déjà ça va être extrêmement compliqué de le, le, d'essayer de, de lui faire peur de le déstabiliser enfin moi je veux dire par exemple avec tout ce que j'ai vécu j'arrive dans une pièce avec une nana qui me fait léviter les meubles je vais la regarder, je vais dire « Ouais, t'as pas autre chose en stock ?» Non, non, parce que ça, j'ai déjà vécu, donc j'ai envie de te dire « Il va falloir faire un peu plus spectaculaire si tu veux m'impressionner. » Vous voyez ce que je veux dire Bon, je ne tournerai pas dans ce sens, on est bien d'accord. <laughs> Mais c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous êtes habitué à de l'extraordinaire, que vous êtes habitué aussi à des entités sombres, eh bien, c'est compliqué d'essayer de vous faire peur. Parce que justement, vos peurs, vous les avez travaillées. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous travaillez impérativement votre côté obscur. Il faut... Libérer vos démons intérieurs, il faut vous déculpabiliser, il faut que vous guérissiez de vos plaies, de vos deuils, etc. Parce que toutes vos failles, toutes vos faiblesses que vous cherchez à enfoncer dans le sable et faire l'autruche, sachez qu'une entité, un démon, n'importe quoi, ce sont ces failles-là qu'il va prendre et qu'il va utiliser contre vous pour vous déstabiliser. Mais si dans votre sable il n'y a plus rien, si vous avez fait la paix avec tout, avec vos parents, avec, euh, je sais pas moi, à votre propension à boire. Vous savez que vous avez un problème avec la boisson. Bah vous vous cachez même pas. Enfin, on va pas. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous êtes fier de boire, pas du tout. Mais c'est juste que vous savez que vous avez un problème avec la boisson. Donc en sachant ça. Bah, le démon, enfin, l'entité ne peut pas vous attaquer sur ça, puisque vous le savez déjà. Vous savez que vous êtes faible par rapport à ça, donc il ne peut pas utiliser ça contre vous, vous le savez déjà. Vous voyez ce que je veux dire Que si vous avez des choses qui sont cachées, que. Euh, pour lui, c'est du pain béni, hein. Euh, puis alors, plus vous allez tourmenter, plus vous allez torturer, plus vous allez être frustré et culpabilisé, et alors plus vous allez être, <laughs> être une proie avec laquelle il va se délecter. Mais si au contraire, vous êtes quelqu'un qui a complètement. qui sait réconcilier avec son côté obscur et qui, par conséquent, n'a pas de démons auxquels faire face, et qui n'est pas surpris par quoi que ce soit d'extraordinaire, ah bah là, pour le coup, c'est lui, c'est l'entité qui va être déstabilisée, en se disant « Merde, euh, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, euh, zut, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Vous voyez Donc, le fait, déjà, d'arriver comme ça, avec cette force, euh, cet état d'esprit et cette puissance obscure, va déstabiliser naturellement l'entité, et c'est là qu'on va rentrer dans une négociation pas de besoin d'eau bénite, de chapelet, de machin, pas du tout, on rentre dans une négociation, une sorte d'entretien, voilà. C'est-à-dire que, bah écoute, soit on fait les choses gentiment, tu pars de toi-même, tu retournes d'où tu viens et tout ira bien, soit tu refuses et j'invoque euh, tu sais, lui, tu le connais, ouais, ouais, voilà, bon bah lui, tu vois, il gère entre autres le royaume des morts, machin, tout ça, hein. montrez-lui que vous avez une certaine culture, que vous maîtrisez bien votre sujet, que vous savez exactement de qui vous parlez, de quoi vous parlez, et que et surtout, vous avez les outils et la capacité d'invoquer justement qui de droit pour venir chercher le subalterne hein, et que vous le ferez s'il refuse. Et eh bien croyez-moi que là c'est des exorcismes qui vont nettement mieux se dérouler tout simplement. Hein. Plus vous allez confronter une énergie opposée et plus ça va être violent automatiquement. Et si en plus en face c'est une personne qui est torturée psychologiquement, mentalement, émotionnellement, ah mais l'entité en face, mais je vous dis même pas elle a un sourire jusque là en se disant toi mais alors toi je vais jouer avec toi voilà c'est c'est pour ça que très souvent on est face à des choses qui sont extrêmement violentes parce que voilà, hein, c'est, j'ai envie de dire, c'est tout un art d'être exorciste et de réaliser un exorcisme. Ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Et sachez qu'il n'y a pas que l'Église les hommes d'église qui sont en capacité d'en réaliser mais je vous en supplie ne vous adressez pas à n'importe qui pour le faire hein. il suffit pas de, euh, de taper exorcite sur Google et vous contacter le premier numéro qui se propose à vous non surtout pas c'est le dernier truc à faire hein. parce qu'aujourd'hui malheureusement les voyants, les médiums les, 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 les charlatans et tout ce que vous voulez hein, il en pullule tous les jours sur internet il en sort de toutes, les, de toutes les deux minutes et moi je suis médium de mère en fille depuis des temps immémoriaux hein, depuis la préhistoire, machin et moi je suis médium passeur dame jardinier coiffeur, éleveur de licorne, machin et tout, vous en CV comme ça et moi je peux enlever le mauvais oeil, machin ça je vous jure je suis fatigué par tous ces trucs parce que c'est j'ai envie de dire c'est à cause entre autres de ce genre de personnalité Personnes-là qui pratiquent des choses qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne connaissent pas, elles ne possèdent aucune culture par rapport à ça. Pour la plupart de ces personnes, elles n'ont jamais rien vécu d'extraordinaire. Hein. C'est pas parce qu'elles vont, vont voir une orbe sur une vidéo que ça y est, elles ont vécu une expérience paranormale. Hein. Voir un orbe sur une vidéo, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a été choisi par le paranormal. Pas du tout. Hein. Les personnes qui vivent des choses extraordinaires, peuvent se poser la question si elles font partie de gens choisis pour vivre ce genre de choses, hein, mais euh, on ne s'auto proclame pas comme ça. Oh, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, donc du coup, non, du coup rien du tout. T'étais peut-être juste là au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement, hein, so, voilà. Bon, mais là aussi vous connaissez mon avis sur le sujet, donc je vais pas épiloguer <laughs> par rapport à ça. Bon pour euh, terminer un petit peu euh, je vais vous communiquer un dernier message en vous disant que depuis quelque temps euh, je vous l'ai dit en début de vidéo il y a une récrudescence d'un mal d'un mal ancien d'un mal nouveau également On... notre comment je pourrais dire ça sans vous faire peur notre humanité à l'heure actuelle est en proie à, euh, certaines, comment on pourrait dire, certaines comparaisons qu'on peut retrouver dans, dans certains livres, comme la Bible. Euh, vous allez à l'Apocalypse de Saint Jean, justement, à partir hein, du chapitre 3, 4, 5, hein, euh, et entre autres, chapitre 6, où on vous dit que les morts se lèveront de leur tombe dans les derniers, les derniers instants, hein, dans la fin des temps. Les morts se lèveront de leur tombe. Eh bien, quand je vois tous les esprits qui sont un peu partout, euh, on peut considérer que les morts se lèvent de leur tombe, effectivement. Hein. C'est Là, c'est à interpréter au sens littéral du terme. Mais il n'y a pas que la Bible. Il y a plein d'autres livres dans lesquels euh, on retrouve toutes ces correspondances de... de... Alors, je peux pas employer le terme de fin du monde parce que c'est quand même très... Euh, c'est gros. Non. La fin d'un monde, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Très clairement, de toute façon, vous le savez, vous le sentez. On le voit bien que l'humanité, elle a arrivé au bout de quelque chose, elle est arrivée à ses limites et qu'elle est en train de régresser. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui n'invente plus rien, elle ne révolutionne plus rien, elle améliore ce qui a été créé, mais en soi, elle n'invente plus rien de révolutionnaire, elle ne fait plus rien de révolutionnaire. Les découvertes que l'on fait, que ce soit d'ordre euh, cosmologique ou euh, médical, bah, C'est des avancées par rapport à ce qu'on connaît déjà. On améliore euh, nos travaux, on améliore nos recherches, mais on n'a pas fait depuis quelque temps vraiment des découvertes incroyables qui ont révolutionné. Non, ça fait un moment qu'on n'a plus rien trouvé. On le sent que l'humanité est en train de régresser. Hein. Il suffit de voir la langue française. À l'école aujourd'hui, c'est l'école qui s'abaisse au niveau des élèves. Moi, à mon époque, hein, je vous rappelle que j'ai que 35 ans, j'en ai pas 90, mais moi, à mon époque, c'était aux élèves de s'élever au niveau de l'école. Hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand je vois les réformes de français et compagnie, il faut simplifier la langue française parce que c'est trop dur. Mais nous, on ne nous laissait pas le choix, il fallait l'apprendre comme ça et c'est tout. Aujourd'hui, l'humanité a tendance à s'abétiser, ça se dit, euh, se rendre idiote, ce sera encore plus simple. Hein. Mais l'humanité, non seulement elle régresse, il suffit de voir aussi les programmes de télé, enfin je veux dire, les anges, juste ça, ça résume quand même la mentalité. Hein. Les réseaux sociaux aussi, là, là. tout ça. Voilà. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples pour vous montrer que l'humanité, elle va pas bien, elle va clairement pas bien. Et là, ce qu'on est en train de vivre, peu le voient, mais ce qu'on est en train de vivre, on est entre la hantise et l'oppression. C'est-à-dire que la hantise, elle se fait déjà depuis un petit moment. La hantise, elle a pris de, de l'ampleur. Il y a de plus en plus de lieux qui sont hantés, il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça, qui sont tourmentés. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a tant de voyants, de médiums et compagnie qui pullulent parce que chacun un flair, l'argent qu'on peut se faire par-ci par-là, parce que justement, il y a de la demande, hein? c'est aussi ça, c'est-à-dire que les, ces métiers qui surgissent, s'ils surgissent, s'ils surgissent, surgissent pas de la cuisse de Jupiter de façon injustifiée, non, c'est parce qu'il y a de la demande. Et s'il y a de la demande, c'est-à-dire qu'il y a un réel problème et qu'il y a quelque chose qui va se répandre. Donc la hantise, elle est déjà là. Mais quand on voit maintenant, c'est ça a passé un palier et on est plutôt dans l'oppression. On est dans. Voilà, on est là pour casser le mental, on le voit, la plupart des gens ne vont plus bien, beaucoup sont en dépression, en burn-out, fatigués, marre de tout, en colère, la rage, la haine. De plus en plus, il y a des vagues de, 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 d'hystérie, de, de folie, de méchanceté, de cruauté, tout ce qu'on veut. La pandémie qui a rajouté une couche, hein, en nous enfermant, on nous enferme, on nous relibère, on nous renferme, relibère, assis, couché, debout, tais-toi, ouvre ta bouche. Bon, au bout d'un moment, voilà. Bah, tout ça fait partie de l'oppression, hein. L'oppression, c'est ça. Je vous le rappelle que le but, c'est de vous casser, vraiment, et de vous rendre un zombie. C'est-à-dire que vous ne savez plus quoi faire, quoi penser, que vous savez plus, donc vous faites plus rien, et vous vivez dans la peur. Et eh ben ça c'est l'oppression et on est en plein dedans. Donc, l'autre phase après, c'est la possession. Et la possession va arriver d'ici pas très longtemps, à mon avis. Hein. Je, je pense qu'il suffit de voir le climat mondial actuel. Les conflits avec euh, les pays de l'Est, hein, mais l'autre côté, l'OTAN emporte le vent et tout ça, tout ça. Hein, juste ça, ce climat-là, plus les pandémies, les autres qui vont arriver, hein, parce que ça, c'était qu'une mise en bouche qu'on a eue, il y a autre chose aussi qui se prépare. Hein, mais il y a aussi les pénuries qui vont arriver, les, les, la crise économique sans précédent. Bref, tout ça mélangé, et tout ce que je suis en train de vous parler, c'est pas le, le prochain scénario d'un film catastrophe, non, pas du tout. C'est ce qui arrive demain. Hein, c'est demain. 2023, 2024, c'est là, hein, ça arrive. La canicule aussi. J'avais oublié le climat, le climat qui est en train de changer, tout ça, tout ça. Hein. Donc il va finir le travail qui est déjà, euh, qui a déjà débuté. Hein. Tout ça, là, pour arriver au stade ultime de la possession, à tel point aujourd'hui que ce sujet est même abordé dans les médias, dans les journaux, on en parle de façon sérieuse. Donc quand vous avez la science qui commence à parler des anges, des démons, des attaques du mal, etc., là, vous dites... Ah ouais, quand même, ça sent le sapin là. Hein, quand on a des scientifiques qui commencent à parler euh, de, 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 du mal qui est réel, on peut se dire que ça peut être le moment pour commencer à se convertir à quelque chose et à croire en quelque chose. Hein, alors, ce que vous voulez, hein, mais je, je pense qu'effectivement, avoir une petite foi, un petit truc qui peut vous aider à, 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 à affronter ce qui arrive là, ça peut être un petit outil qui peut vous être utile par la suite. Voilà. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo sur la possession qui alors malheureusement ce n'est pas exhaustif parce qu'il y a énormément de choses à dire mais je vous ai prévu d'autres vidéos qui parleront de ce sujet et des autres que j'ai abordé dans la vidéo. Si celle-ci vous a plu, je compte sur vous pour la liker, la partager, vous abonner à la chaîne, vous connaissez le racolage de youtubeurs et moi je vous embrasse soyez euh, j'ai envie de dire positif d'accord c'est je crois la chose la plus importante à faire peu importe votre statut peu importe votre croyance votre conviction même si toi là qui pratiques aussi des choses obscures derrière ton écran et qui ne commenteras pas parce que tu es quelqu'un de discret même toi il faut que tu restes entre guillemets positif et lumineux parce que même dans l'obscur il y a cette sagesse à avoir ce discernement à avoir et commencer un petit peu à se préparer à l'avenir et aux choses qui sont elles-mêmes en train de se préparer et surtout de prendre conscience que bientôt nos meilleurs films d'horreur deviendront la réalité de demain. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.